Yo les potes, c'est Nesky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis grave hypé et content parce que il y a eu des petites nouveautés. Enfin, du coup, si vous le savez pas, il y a une mise à jour. Dépêchez-vous de la faire. Hein. En plus, je me suis réveillé tôt aujourd'hui. Elle a dû être il y a pas trop longtemps. Enfin, quoique, je sais pas. J'ai vu un live d'une personne qui faisait la mise à jour qui a duré 3 heures. Donc, j'espère la mise à jour, elle vient de commencer, genre. Mais du coup, comme par hasard, je me réveille tôt quand il y a une mise à jour. Donc c'est stylé. Donc d'habitude je me réveille à 16h et tout. Enfin voilà. Et donc du coup, mise à jour, je vais vous montrer toutes les nouveautés. Et donc c'est parti, on est sur la vidéo d'Ipex. Voilà, il a 1 million d'abonnés, mais je pense que vous le connaissez. C'est celui qui fait tout. Il met tous les signes dans son casier et tout. Enfin voilà. Du coup, déjà première info, la Recon Expert a une nouvelle variante. Donc ceux qui l'avaient, je pense pas qu'il y ait des abonnés qui l'avaient, mais. Si jamais il y en a qui l'avaient, ben, nouvelle custom sans le petit chapeau. Donc voilà. Et nouveauté, déjà, on dirait qu'elle est un petit peu plus cartoonesque. Je sais pas si vous comprenez. Genre là, on voit pas forcément, mais même là, regardez, on dirait qu'elle est beaucoup plus. Enfin voilà. C'est compliqué à dire. Du coup, une nouvelle variante. Et aussi un nouveau visuel de boutique. Avant, il n'y avait qu'une seule image pour le Recon Expert. C'était juste. Dans le carré comme ça, là, une image comme ça. Maintenant, il y a une image jusqu'au buste, genre. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, c'est un visuel pour la boutique. Donc, ça veut dire qu'il va potentiellement revenir dans la boutique. Il est au 920 jours. Donc, je pense, moi, le jour des 1000 jours, il revient dans la boutique. Sûr à 100%. S'il revient pas, c'est que vraiment. Du coup, ensuite, on va passer au sac à dos, je crois, non. À moins que c'est les skins. Qui est déjà monté avec la custom et tout, voilà. Ensuite, du coup, nouveau skin qui est dans les fichiers du jeu. Encore un skin pour la saison, en rapport avec la saison. Donc, custom sans masque, sans lunettes, custom lunettes et custom masque lunettes. Ce qu'ils auraient pu faire aussi, du coup, vu qu'il y avait une custom masque, une custom lunettes, une custom sans rien, ils auraient pu faire une custom juste masque. Masque sans lunettes. Et du coup, vous avez ce skin soit en fantôme, soit en ombre. Donc, c'est plutôt stylé. Ensuite, du coup, le petit nouveau skin à 800 V-Bucks, voilà. Pff, honnêtement, il est moche. De devant, il est moche, mais de derrière, ça passe. Mais je pense pas que je vais l'acheter celui-là. Ensuite, nouveau skin qu'ils n'ont pas pu charger dans leur jeu parce que voilà, c'est un skin où il y a juste l'image. On peut pas le mettre dans le casier maintenant, donc il l'a pas chargé. Ben, il est moche. Avec son bonnet de main, avec son bonnet de bain là. Ah, il est dégueu. Allez, passe-moi vite ça, c'est pas beau. D'ailleurs, en haut, il y a marqué code créateur IPX, mais n'hésitez pas, code créateur NSQ à la place. Alors ensuite, ça va être des défis qui vont arriver, je sais pas quand. Je dirais peut-être d'ici une semaine. Cette fois, comme il n'y a pas beaucoup de challenges, je vais tous vous les faire sur ma chaîne YouTube. D'habitude, je fais tous les défis. Là, c'est vrai que Domination Disco, il y en avait beaucoup. Enfin, Domination Locale, il y avait trop de défis. Je vous avais fait un petit guide. Mais là, je vous ferai tout, vous inquiétez pas. Regardez. Déjà atterrir à l'agence 40 000 XP, survivre au cercle de la tempête 10, 40 000 XP. Ensuite, quand on ouvre une faction Locket Chest, ah, ok, c'est les coffres d'agence, et ben vous aurez une pioche gratuite. Ensuite, 40 000 XP pour nager à l'agence, okay. Et vous gagnez un revêtement quand vous éliminez. C'est quoi, Henchman? Henchman? Différents safe house, je sais pas du tout, ça doit être les boss. Et ensuite, quand vous faites les 5 défis, vous gagnez un planeur, plutôt sympa, c'est gratuit. Je pense pas que ce soit gratuit pour tout le monde, malheureusement. Désolé, je pensais que c'est pour. Pardon, j'arrive pas à parler. Que pour ceux qui ont le pass de combat, je pense. Pas sûr après. Ensuite, ah mince, j'ai loupé un truc. Du coup, sac à dos, regardez. Putain, mais je suis trop content. Ça, c'est vraiment un truc. Je suis content. C'est Corbeau Poule et Calin Poule. Ils n'avaient pas de sac à dos. Et j'avoue qu'ils coûtaient un peu cher les skins. Et pas de sac à dos, c'était quand même un peu ballot. Et du coup, ils viennent d'en rajouter. Et le sac à dos du nounours, il est magnifique. Il est incroyable. Enfin, c'est juste un petit nœud papillon, mais en rouge. Et bon, le sac à dos Corbeau, on a l'habitude. Il y avait une version glacé, enfin le skin carbo c'est vraiment pas ouf, donc sac à dos
Pas ouf, pas ouf. Mais en vrai, ça va. Si jamais, j'ai un petit skin rouge, hop, petit sac à dos corbeau. Et donc, ce sac à dos-là, c'est le sac à dos de l'autre skin que je vous avais montré. Il y a deux customs, en noir et en blanc. Logique. Du coup, la pioche, quand on avait fait les défis, c'est celle-là. En vrai, elle est belle. En vrai, elle est belle. Le petit planeur que j'utiliserai jamais, mais c'est sympa, c'est gratuit. Ok, remontre l'animation. D'ailleurs, planeur licorne de Deadpool, normalement, quand vous avez lancé votre jeu, vous allez pouvoir le rembourser. C'est-à-dire, je vous explique, en gros, imaginons vous achetez quelque chose dans la boutique Fortnite, vous achetez un skin qui est bleu. Si Epic Games change la couleur du skin et le met vert par exemple, ça se fait pas parce que vous avez acheté le skin en bleu. Du coup, ce qui se passe en gros, c'est qu'il vous donne un remboursement gratuit, même si vous avez déjà 3 remboursements, même si vous en avez plus 0, et ben en gros, vous avez un remboursement gratuit. Vous pouvez rembourser que l'item, hein, pas autre chose. Donc vous avez un remboursement pour l'item. Donc là, le planeur licorne, en gros, l'animation avant, le personnage il tournoyait dans tous les sens, etc. Maintenant, l'animation est devenue classique. Le personnage il bouge presque plus. Et donc, pour ceux que ça déçoit, ben, vous pouvez le rembourser gratuitement. Je pense que je vais le rembourser, moi, je l'avais acheté. Parce que je me dis qu'il reviendra peut-être un jour le pack Deadpool. Donc, je vais pas. Si jamais je veux tout l'ensemble de Deadpool, je rachèterai le planeur plus tard. Mais en attendant, je vais le rembourser. Du coup, nouveau revêtement. Il est vraiment beau. Malheureusement, la partie noire, j'aime pas. Ça aurait été noir et jaune, j'aurais acheté direct, je pense. Mais noir comme ça, j'aime pas. Ensuite, ce petit revêtement qui me fait très peur. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, il est orange et bleu. Et cette texture, c'est la texture d'un skin sur Fortnite hyper rare. Je sais pas si vous allez réussir à le visualiser. Il a trois yeux. C'est pas trois yeux, c'est des lunettes thermiques, je sais pas quoi. Et il est la même couleur. Et pourquoi ça me fait peur? C'est parce que j'ai la pioche. J'avais acheté la pioche. Elle est ultra, ultra rare. Ça fait genre un an, elle n'est pas sortie. Du coup, j'ai peur. Ça veut dire que ça va revenir. C'est sûr à 100%. À moins qu'il n'ait rien à voir avec ce pack de skins rares, mais je suis sûr que si. Donc voilà. C'est ballot. Putain. Ma pioche ultra rare qui va ressortir un jour. Et le dernier revêtement qui sera gratuit. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec les défis. Ok. Stylé. Enfin, il est moche en fait. Mais ça va. Ensuite, tu vas faire des danses. Mais je crois qu'on s'en fiche un peu. Je regarde, ouais. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre mon code créateur NSQ quand vous voulez faire des achats dans la boutique, surtout la Recon Expert quand elle va revenir d'ici 80 jours. N'hésitez pas, vous mettez tous le code créateur NSQ s'il vous plaît. Vous achetez tous Recon Expert. Moi honnêtement je pense que je vais l'acheter. Du coup le skin sera plus rare. Tout le monde l'aura et tout, il sera pas rare vu qu'il vient de ressortir. Mais vu que c'est un skin emblématique de Fortnite, je l'achèterai. Et d'ailleurs pour ceux qui se demandent, la variante ne sera pas que pour ceux qui avec Recon Expert de base. Epic Games ont mis une variante pour que les joueurs qui avaient Recon Expert depuis longtemps puissent profiter. Mais quand on reviendra dans la boutique, vous l'aurez aussi vu que Epic Games n'a pas dit que ce skin était illimité, limité. En gros, pour le skin Ghoul Trooper et Skull Trooper à Halloween, Epic Games avait fait un tweet sur Twitter en disant que le skin Ghoul Trooper et le Skull Trooper reviendront jamais dans la boutique. Au final, ils ont voulu les ressortir. C'est pour ça qu'ils ont une custom que pour les joueurs qui l'avaient acheté à l'époque. Mais sinon, pour le skin là, ou même Renegade Rider, elle a une custom il y a longtemps. Mais si jamais elle ressort, mais en vrai, Renegade Rider, c'est presque impossible. Mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, il y a aussi écran de chargement. Donc celui-là, il les montrera pas, mais il y a celui-là. Et l'écran de chargement quand vous lancez votre jeu, il est rouge avec les 5 agents là du poste de combat. Ben, les deux là. Ils seront soit gratuits avec des défis, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et pensez au code créateur de la boutique. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous m'entendez parler, marquez dans les commentaires. Je suis resté jusqu'à la fin. Trop stylé le sac à dos. Vas-y, marquez ça. On s'en fout. Ciao, ciao. Attendez, j'ai oublié. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait un skin, regardez. Bon, le skin il était sorti, mais je voulais vous le montrer. Ce skin-là, je crois il est pas sorti, je sais plus. Dites-moi s'il est sorti du coup. On va dire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous me dites si ce skin il est sorti dans la boutique. Mais en tout cas, s'il est pas sorti, voilà. Il était déjà dans les fichiers du jeu, mais je vous le remontre au cas où.
Donc voilà, plusieurs customs, masque, sans masque, les cheveux qui changent, le glow. Enfin voilà. Ciao, ciao les potes.